Yeah.
le premier chant que j'ai reçu de ma vie, vous savez ça? C'est le premier chant, c'était le psaume, je crois, 130. C'était en 97. Alléluia. Nous comptons sur l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Amen. Nous continuons avec la deuxième partie. Ça peut peut-être étonner certains d'entre vous. De l'enseignement des Pâques. Comme je disais dans cet enseignement, la Pâque chrétienne n'est pas un souvenir, mais une réalité de tous les jours. Donc nous pouvons l'enseigner n'importe quand, n'importe comment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'avais promis à une petite fille de montrer son dessin qu'elle a fait pour moi aux États-Unis. Je montre ça. Elle m'attendait jour et nuit. Elle a dit même, est-ce que je peux mentir que je suis malade à l'école pour rester pour avoir... Son père est chrétien, ne ment pas. Alléluia. Amen. Voilà, la photo de Anna, je l'ai montrée. Alléluia. Le Seigneur est bon. C'était un voyage glorieux. L'ennemi a voulu voler un de mes enfants, mais l'enfant a été récupéré par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Jean 19, verset 30. Nous allons avec notre lecteur. Alléluia. Je crois qu'il faut que je lui achète moi-même une grosse Bible pour lire facilement. Alléluia. Parce qu'il est mon lecteur pour toujours. Hein? Le Seigneur est vivant. Alléluia. Et Jean 19, verset 30. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Ah, la louange était bonne. Amen. Jean 19, verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 19, verset 30. Quand tu lui pris le vinaigre, Jésus dit, tout est achevé. Puis il baissa la tête et mourut. Alléluia. Tout est achevé ou tout est accompli. C'est même la vision que j'ai vue en lettres hébreux. Dans les lettres ici 10 en hébreu, dans les signes hébreux, ça veut dire que tout est accompli. C'est comme des traits comme ça que je vis en grand là. Alléluia. Tu peux dire dans ta vie que tout est accompli aujourd'hui. Alléluia. Alors nous avons commencé cette série d'enseignements et je ne voulais pas vraiment que je coupe ça parce que pas comme je nous avais dit, la Pâque chrétienne, ce que Jésus a fait à la croix a une portée éternelle. C'est-à-dire que ce soit ce qu'il a souffert à Gethsémane, ce qu'il a souffert à la croix, la crucifixion, que ce soit l'enseignement de son corps, que ce soit la résurrection, cela a une portée éternelle. Toute la chrétienté de victoire se base sur ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Donc si on se limite simplement à une fête de souvenir, on est dans la Pâque juive qui est un souvenir. La Pâque chrétienne, c'est une activité éternelle que Jésus a fait. Donc nous devons en bénéficier. Tout à l'heure, là, en faisant la confession, si tu avais fait confession de péché sincèrement, tu es pardonné justement à cause de ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Le sang qui fut versé, fait appel, vient d'appeler aussi le sang du pardon. Alléluia. Donc, ce que Jésus a fait à la croix du calvaire, nous le vivons encore aujourd'hui. Le fait que, par exemple, nous nous demandons pardon, nous sommes justifiés, et ça veut dire simplement que l'œuvre de Jésus est encore en activité. C'est pourquoi, vous voyez, il n'y a pas de chrétiens qui vont se suicider parce qu'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de noirceur. Il n'y a que les gens du monde qui vont se faire du mal parce qu'ils ne connaissent pas cette grâce d'être justifié. Quelqu'un a fait un mal il y a 100 ans, il reste avec son mal jusqu'à la fin de ta vie. Quel que soit le mal que tu as fait, quand tu lis dans la Bible, tu avais fait mal, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Et tu reçois donc pardon à cause de ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Alléluia. Donc on a vu rapidement les questions réglées par les tout accompli de Jésus. La première question que Jésus a réglée à la croix du calvaire, c'est la question du péché. On ne revient pas pour ça. Nous sommes, la Bible dit que vous êtes morts au péché. En d'autres termes, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Il ne peut pas te dominer. Deuxième chose, le salut, la porte du ciel est ouverte. Donc comme tu es là, tu es dans les ciels. Souvenez-vous de l'enseignement des deux places. Et spirituellement, ton esprit a pris avec Jésus dans les ciels. Quand tu marches bien avec Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu as la foi en Dieu, tu es en fait
Ton corps existe, mais ton esprit à toi est connecté avec Dieu. Tu es dans les cieux. Alléluia. Et c'est pourquoi tu mettais ton salut en travaillant sur ton salut pour jusqu'à ce que Jésus va arriver. Alléluia. Troisième chose, nous avons vu, la mort a été vaincue. La plus grande peur qui existe dans la vie, et c'est dans les livres. Imaginez, vous cherchez, oh, tu écris un livre maintenant, l'éditeur te presse et dit qu'il puisse publier ton livre, tu commences à avoir peur. Il y a des gens qui font des mois et des mois, des années sans trouver l'éditeur. Mais l'éditeur te presse. Mais toi, tu hésites encore. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai écrit dans ce livre-là la mort, que la mort est la plus grande peur. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, la peur de la mort. Quand quelqu'un a vaincu la peur de la mort, il gagne le combat. Même dans les pays où les dictateurs règnent, quand le peuple a vaincu la peur de la mort, le dictateur va partir. C'est la plus grande peur qui existe. Oh, la mort, pour les chrétiens, c'est un passage. Mais nous mourrons autant que Dieu nous a destinés à mourir, pas autant des hommes ou de ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons rapidement, ce que nous allons voir aujourd'hui, la quatrième question réglée par Jésus à la croix du Calvaire. Les diables et ses démons ont été vaincus. L'ennemi de l'homme numéro un, c'est Satan. Et Satan a une organisation très bien organisée. Il a ses anges à lui qu'on appelle les démons. Il a ses généraux à lui. Il a ses stratèges à lui. Il a toute une organisation. Le but premier de Satan, c'est de perdre l'homme. Vous voyez que la Bible dit qu'il a été vaincu à la croix du Calvaire. Mais combien de chrétiens croient que Satan est encore fort? Alors, première question. Bon, combien de chrétiens, malgré qu'ils disent que Satan n'est pas fort, Satan est allé jouer avec eux? C'est quoi la Bible d'Éphésiens 6 parle de lutter contre le ruse. Dans les Genèse, on a parlé du serpent comme l'animal le plus rusé. Et pour lutter contre les ruses du diable, le diable peut voir la mort. Tu as respecté que Dieu t'a mis quelque chose de merveilleux. Mais le diable veut te montrer les difficultés présentes pour que tu détruis toi, après tu regrettes, après il se moque. C'est le premier qui s'est moqué de toi. Le diable était rusé. Il est l'ennemi principal de l'homme. La Genèse dit que la poitrine de la femme marchait à la tête et lui mordra les talons. C'est-à-dire, nous et le diable sommes des ennemis. Notre combat est comme le combat d'Israël et Amalek. Ça ne terminera que quand Jésus va les vaincre. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose, que le diable a déjà été vaincu à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Commençons par Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon frère peut nous lire. Commençons au verset 13. 13 jusqu'à 15. Nous lisons donc le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Amen. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Il a annulé les documents qui nous accusaient et qui nous étaient contraires par cette disposition. Il a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a enlevé leur puissance aux autorités et pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans les cortèges de victoire de son Fils. Amen. Ça, c'est passé quoi? C'est passé quoi? C'est très bien, c'est très bien. Tu vas encore les relire cela. Il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait, qui se faisait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire qu'à la croix, quand on crucifie Jésus, quand les gens se moquent de lui, quand les gens croient que c'est fini pour lui, dans le ciel, il se passe une grande... C'est comme Jésus est en train de vaincre le combat dans le ciel. Je vais vous expliquer comment ça se passe spirituellement. Alors qu'à la croix, on voit, c'est pour ça que je dis que la Pâque, ce n'est pas une fête. C'est des événements à une portée éternelle. À la croix que Jésus est flagellé et crucifié, l'acte de l'ordre, tout ce qui t'est condamné, toi, à ne pas avancer, tout ce qui est condamné à les maladies, tout ce qui t'est condamné à voir la volonté de ne pas accomplir dans ta vie, t'as décidé d'être volé. Jésus, à ce moment-là,
L'acte d'ordonnance, c'est dit que quand on signe un président, signe une ordonnance, c'est ou un décret, cela doit être exécuté. Mais tout ce que le diable avait décrété par usurpation contre toi, en cette, à la croix là, Jésus a fait quoi? Il a déchiré. Maintenant, toi, si tu ne crois pas à cela, tu vas vivre la liberté? Non. Si tu vas suivre des enseignements où on vous fait vivre une forme de chrétienté, de beaucoup de choses qui vous ramènent encore à la loi ou qui vous ramènent encore à ces condamnations-là, vous n'allez pas avancer. Mais quand tu regardes la croix, quelle que soit la condamnation qu'on a fait, toi, quand tu te répands, tu deviens enfant de Dieu. Tu as droit à ce que l'œuvre de la croix te soit profitable. C'est-à-dire que l'œuvre qui te condamnait va être déchirée. C'est pourquoi tu le mets dans ta bouche, tu le mets dans ton cœur, que je ne suis pas maudit, que je suis béni. L'âme de toi qui me condamne sera nul et sans effet. Alléluia. Et moi, là, vous pouvez imaginer combien de gens me maudissent dans la vie. Si Dieu me montre, c'est grave. Tous les démons que je suis allé chercher aux États-Unis, je sais pas, j'ai prié pour combien de personnes là-bas. Mais tous ces démons, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maudire. Et pourtant, j'ai roulé avec des 4 saisons qui étaient vers la fin. Je voulais les chercher aux États-Unis, finalement, il n'y avait pas de pignons au magasin, et puis je suis quand même revenu. Alléluia. Amen. Il faut comprendre cela. La même chose que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Ma soeur, mon frère, lis-moi le verset 15. Verset 15. Oui, dans le français courant, c'est une bonne version. Oui. C'est ainsi que Dieu a enlevé leur puissance aux autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège des victoires de son fils. Amen. Parce que des fois, qui a déjà regardé le film de l'Empire romain quand un général a gagné le combat? Le film de Popeye, le film de... Qui a déjà regardé? Ah, des voix qui voient tout. Il ne regarde plus ça. Ou le film de Spartacus, quand un général a gagné le combat. Quand un général a gagné le combat, il entre à Rome avec les généraux qu'il a conquis, étrangers qu'il a conquis, ils sont enchaînés. Donc lui, le général, hein, parce que la Bible n'est pas écrite en l'air, la Bible est écrite dans un contexte. C'est pourquoi un pasteur doit avoir un peu d'éducation pour comprendre les choses, il ne va pas dire n'importe quoi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a vaincu et tous les généraux qui ont été vaincus à la guerre vont être derrière les côtés triomphants du général qui a gagné. Quand il est pour venir devant César, tous les autres sont enchaînés avec l'air. Tout le roi là qu'il a vaincu soit enchaîné en train d'entrer dans les contestations. C'est ce que ça signifie que Jésus a fait au diable. Pendant qu'il faisait ça, les gens riaient. Pendant qu'il faisait ça, les gens disaient, ah, si il ne veut pas Seigneur lui-même, hein, qu'il descende à la croix. Pendant qu'il faisait ça, tout le monde croyait que c'était fini pour lui à la croix du Calvaire. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, ne crois jamais que quelqu'un est fini parce que tu ne vas pas souffrir, mais là, tu sais pas ce qu'il va être demain. Juste la souffrance actuelle n'est que juste une préparation à quelque chose de très, de très grand qui arrivait demain. Alléluia. Revenons sur le sujet. Ça là, vous le voyez, ce que j'explique là, comme j'ai dit toujours, la Bible s'explique toujours par elle-même, c'est ce que Jésus fait à la croix du Calvaire. C'est ce que Jésus va révéler plus tard à Jean, dans le texte d'Apocalypse, dans le chapitre 2, on va le lire tout à l'heure. Quand Jésus est à la croix du Calvaire, c'est là où Michael et les autres anges étaient en train de combattre Satan pour que Satan soit détrôné totalement du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Apocalypse chapitre 12. C'est important de le savoir. Quand je vois que le diable m'embête trop, je dors, je mets Apocalypse chapitre 20. Parce que je sais que le diable a été détruit. Apocalypse chapitre 12. Alléluia. À partir du verset 7, amen. Avant de lire, mon frère, ça c'est la révélation. Vous voyez que quand Jésus apparaît à Jean, il lui parle des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Il lui explique la profondeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre, la traduction française n'est pas bon, l'Apocalypse, ça signifie de quelque chose de chaotique. Non. En anglais, c'est mieux. On appelle révélation. C'est-à-dire que l'explication. C'est pourquoi quand tu connais les livres, les derniers livres de la Bible, tu les lis, tu les médites, tu as l'intelligence spirituelle par rapport aux choses, tu comprends bien les choses. Je ne sais pas si beaucoup ont déjà fait ces liens-là qu'on fait aujourd'hui, là, aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, tu lis Apocalypse 12, à partir du verset 7, juste au verset 12. Alléluia. Nous voyons, nous sommes toujours dans la quatrième question, regarde à quoi il calvait. Les diables et les démons ont été
vaincu. Alléluia. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 12, à partir du verset 7 à... À 12. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattaient le dragon, et celui-ci s'est battu contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu et il ne fut plus autorisé, ainsi que ses anges, à rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance royale. Maintenant son Messie a manifesté l'autorité qui est la sienne. Car... » Amen, arrête-toi là-bas. Tu vois, là il parle. Jean, là Jésus dit au ciel, comment il peut dire que maintenant, le Christ, le terme Christ ne pourra être donné à Jésus qu'après les sacrifices. Si ce n'était pas sacrifié à la croix de Calvaire, il ne serait pas appelé Christ. Alléluia. Vous comprenez ce que j'ai dit maintenant? Que là, Dieu voit une révélation, Jean voit une révélation pour expliquer les choses qui sont passées à la croix de Calvaire. Tu peux continuer, mon frère? Car l'accusateur de nos frères, celui qui se tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et nuit, a été jeté dehors du ciel. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Amen, amen, encore stop là. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Dans le temps où Jean est vivant là, quelle est la révélation vers sa vieillesse, Jésus était déjà mort. C'est-à-dire que le sang était déjà versé. Seulement Dieu nous explique clairement qu'est-ce qui s'est passé spirituellement dans les cieux au moment où Jésus était à la croix du calvaire. Alléluia. On continue, mon frère. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour la terre et la mer. En effet, le diable est descendu vers vous, et il est rempli de colère, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alléluia, qu'il lui reste très peu de temps. Là, nous voyons que le diable a été dépouillé. On l'a chassé du ciel. Il a perdu un attribut important qu'il avait, l'accusateur. L'accusateur des frères. Alléluia. Quand nous allons lire dans Zacharie, chapitre, nous allons comprendre, je vais vous venir dans le mariage pour vous comprendre, le diable avait le rôle de l'accusateur. Quand, dans Zacharie, chapitre 3, allons-y, dans Zacharie, chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Il a été dépouillé. Il ne peut plus monter au ciel pour t'accuser. Donc, il ne peut plus te dire, ah, il a volé, il a tué, il a fait ceci. Il a perdu cet attribut-là. Alléluia. Alors, allez-y. Zacharie chapitre 3, mon frère. Alléluia. À partir du verset 1 à 4. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zacharie 3, oui. À partir du verset 1 à 4. Amen. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua debout devant l'ange du Seigneur. Satan s'était né à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Alléluia. Relis encore, mon frère, un instant. Relis encore. Le verset 1 à 2. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua debout devant l'ange du Seigneur. Amen. Satan s'était né à la droite de Yeshua pour l'accuser. Amen. L'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Amen. Verset 3. Yeshua, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. L'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de les lui enlever. Puis il dit à Yeshua, je te débarrasse de ta faute et je vais te revêtir d'habits de fête. Alléluia. Je vais le lire là, le traducteur est allé un peu beaucoup dans, trop zélé. Alléluia. Pas lui, c'est lui qui a écrit
français courant. Alléluia. Alors, c'est Josué le sacrificateur à cette époque-là. Alors, maintenant, devant le... Josué, ça fait... On peut traduire sur Yeshua en hébreu aussi. Vous voyez un peu? Alors, et maintenant, Satan était là pour l'accuser. Vous voyez un peu? Et puis, sa prophétie, mon épouse Zacharie, voit que Dieu dit, enlevez tous ces habits sales, revêtez-vous de nouveaux habits, je t'enlève ton iniquité et je te revis d'habits de fête. C'est l'œuvre de la justification que Jésus nous a accordée à la croix du Calvaire. Donc Satan a perdu son droit de t'accuser. Alléluia. Quand vous avez été de Job, il a accusé aussi Job devant Dieu pour que Dieu punisse et Dieu éprouvait Job. Alléluia. Aujourd'hui, l'accusateur a perdu ce droit. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi il a perdu? Parce que tu es justifié. Amen. Pourquoi il a perdu? Parce que ce que tu méritais d'avoir à la croix du Calvaire, Jésus a payé le prix pour cela. Amen. Un prix fort, donc un agneau sans tache qui a été sacrifié pour toi. C'est pourquoi ne prenez jamais le sang de Jésus, l'œuvre de Jésus, la vie chrétienne comme quelque chose qu'il faut jouer avec. Le prix que Jésus a versé est très très fort. Ce n'est pas autant. Où le jugement de Dieu va s'opérer, ça sera trop tard parce que Dieu a donné un long temps de grâce au peuple de Dieu. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, il a perdu cela. Donc, maintenant, tu peux dire que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Mais pourquoi tu ne vois pas la victoire? C'est parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne résistes pas. Parce que tu ne persistes pas. Parce que la victoire a déjà été acquise, comme nous disons, par ce maître sûr que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Par ce maître sûr que nous sommes guéris. Et dans toute maladie, alors, Jésus a vaincu la croix du Calvaire. Nous devons résister, nous devons croire, nous devons faire ensuite aussi que nous soyons toujours, ne pas perdre notre place avec Dieu. En communion avec Dieu, dans le cœur, et puis déclarant ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Quand tu regardes cela, si tu ne regardes pas ça, tu te laisses accuser dans ton cœur. Aide-moi comme ça, aide-moi comme ça, aide-moi comme ça. Toute la vie, tu seras aussi, aide-moi comme ça, aide-moi comme ça. Parce que Dieu va te regarder, il ne va absolument rien faire. Parce que Dieu a déjà réglé la question pour toi, la croix du Calvaire. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répétez-le. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Quand je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne et il est oublié. Alléluia. Amen. Nous avons vu là que tout ce que je t'ai fait à la croix du Calvaire, c'est toi qui te condamne. Même si on a dit, ah non, toi tu ne vas pas te marier, c'est sans effet, tu vas te marier. On a dit, tu ne vas pas avoir d'enfant, tu vas avoir l'enfant. On a dit, tu vas passer toute ta vie dans l'embrouillement, tu vas tourner en rond. Non, tu ne tourneras pas en rond. C'est tes ennemis. Toute condamnation du diable pour un enfant de Dieu qui craint Dieu seront nulles et sans effet. Amen. Ces condamnations prennent la force quand on désobéit à Dieu. Ces condamnations prennent la force quand on ne croit pas. Parce que celui qui désobéit et celui qui ne croit pas, ils ont la même conséquence. Tu peux te créer qu'obéir à Dieu, mais tu ne crois pas ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne crois pas qu'il va être bien. Tu ne crois pas que demain la vie va te changer. Tu ne crois pas à cela. Tu vas rester là. Parce qu'il a dit quoi? Tout est accompli. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, l'accusateur, quand il voit t'accuser, ce n'est jamais la voix de Dieu. Quand tu vois ta conscience en toi te dit que tu as mal fait, répare-toi. Mais quand tu vois une fois tous les matins, chaque soir, t'accuses, t'opprimes. C'est pourquoi vous voyez des gens, des fois, des fous, ont des voix qui les accusent tout le temps. Ou les gens qui sont déprimés, ils ont des voix qui les accusent tout le temps. Mais c'est les démons. Alléluia. Toi, tu ne vois rien. Toi, ta vie sera comme ça. Toi, tu n'avanceras jamais. Toi, comme ça. Regarde-moi ce que tu as fait. Regarde ta vie. Non, un enfant de Dieu, tu es justifié par la foi. La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est « Ah, Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait et je demande pardon sincèrement. Je regrette mes fautes. Quand je regrette mes fautes, le diable n'a aucune puissance sur moi. Aucune autorité. » C'est pourquoi il y a beaucoup de gens que Dieu a appelé dans les services. Au lieu de servir, Dieu regarde sa vie passée. Et moi, vraiment, non.
Paul était un criminel, vous savez. Alléluia. Quand on a tué Étienne, Paul a donné l'accord. Continue, c'est lui qui a tenu les habits. Les preuves qu'on a lapidé Étienne. Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de faire de lui un serviteur de Dieu et un vrai serviteur de la foi. Alléluia. Nous devons comprendre cela que le diable a perdu tout pouvoir d'accusation dans la vie de ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, quelle implication pour nous? Quelles conséquences pour nous l'œuvre de la croix de Jésus-Christ? La première implication, le premier bénéfice que nous avons, le diable a perdu le droit de nous accuser et de le voir. Et quand tu vois des gens encore t'amener dans des accusations, des choses, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est l'œuvre du diable. Tu refuses cela au nom de Jésus-Christ. Si toi, dans ton cœur, tu n'es jamais repenti, tu as un problème. Si dans ton cœur, tu as demandé pardon sincèrement, avance. Alléluia. Avance. Alléluia. Amen. Et le diable est maître de ça. Beaucoup de gens sont devenus en psychiatrie, c'est ça. Ah, on m'a accusé de faire ça. Et moi, je ne peux rien faire. Ou bien, on connaît un papa qui a eu des problèmes, puis qui a abandonné la famille, et puis il ne peut plus refaire sa vie, et puis il est dans les problèmes tout le temps. Non. Répands-toi là, tu es. Appelle tes enfants, si tu ne les as pas vus il y a 20 ans. Demande des pardons. Commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. La première conséquence, c'est. Et la voix accusatrice du diable ne peut plus jamais dominer sur toi. Amen. Alléluia. Hein? Ne peut plus dominer sur toi. Tu as fait une erreur, tu n'as pas donné conseil à quelqu'un. Et ça, c'est quelqu'un d'ici là. Si tu avais donné conseil à la personne n'avait pas écouté. Mais là, tu as omis de donner conseil à quelqu'un. Tu crois vraiment que le malin qui va t'arriver, c'est parce que toi, vraiment, c'est toi qui n'avais pas donné conseil à quelqu'un. Mais demande pardon à Dieu, ne reste pas avec ces poids-là toute la vie. Non. Parce que l'erreur est humaine. Et le pardon est divin. Le pardon est divin. C'est-à-dire, quand je commets une erreur, je demande pardon à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni. Deux fois, vous arrivez. Alors, on peut dans 1 Jean 3, verset 23. Je vais un peu parler de la culpabilité, un peu dans les cœurs, comment. Et c'est loyer de la culpabilité, qu'on va sortir de la culpabilité du cœur. 1 Jean 3, ça c'est une révélation que j'ai reçue. J'étais la dernière fois que j'ai pris l'autobus, en l'autobus en 80, je crois, 18, quelque chose comme ça. C'était dans l'autobus que j'ai médité sur ce texte-là en 98. Alléluia. 1 Jean 3, amen, verset 19 à 20, mon frère. Alléluia. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Jean 3, verset 19 à 20. Mm-hmm. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Verset 21. Ainsi, mes amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une pleine assurance devant Dieu. Amen. Je sors du sujet, mais j'arrive à proposer à ma matière du cœur ici là. Il peut vous arriver que vous sentez votre cœur, votre conscience est en train de vous condamner. Mais sachez la première chose que Dieu est plus grand que votre conscience. C'est que la Bible déclare pour toi qu'il est justifié plus grand. Toi, simplement, sois sincère. Demande pardon à Dieu, pas mille fois, une fois, et puis ne répète pas la chose. Et tu vas voir que la chose là, il va partir. Parce que l'amour de Dieu est plus que la condamnation de ton cœur. C'est ce que l'apôtre explique ici. C'est vrai, quand mon cœur ne me condamne pas, que je suis devant Dieu, je suis en assurance devant lui. Des fois, tu arrives et dis, est-ce que moi, comment je suis qualifié? C'est là où la grâce aussi arrive, quand tu ne te sens pas qualifié. Mais tu es humble, tu es humilié. La Bible dit que Dieu est avec le cœur humilié et contrit. Qui est ce cœur humilié? C'est lui qui reconnaît ses fautes. Pas celui qui persiste dans le mal. Il reconnaît ses fautes. Il est humble devant Dieu. C'est vrai, à ce temps-là, le Dieu de la grâce va te couvrir. Donc tu vas arriver au même résultat que celui qui se sentait en assurance et qui n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est à cause de l'œuvre de la foi de Jésus-Christ.
le sang de Jésus est écrit, nous justifie. Amen. Ça, c'est le premier bénéfice et de la victoire de la croix. Le deuxième bénéfice, ou conséquence, si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus de culpabilité dans le cœur. Si tu es un prédicateur qui a la culpabilité dans le cœur, tu vas arrêter le travail. Alléluia. Quand tu es à genoux et que tu es sincère devant Dieu, le secret de savoir que quand tu es sincère, je veux que tout le monde me regarde, quand tu es sincère devant Dieu et que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Alléluia. C'est vrai que tu peux venir demander pardon 1000 fois. Mais quand tu demandes tous les jours 1000 fois sur la même chose, est-ce que tu vas avancer? Non. C'est mieux demander pardon que et faire en sorte que tu ne répètes plus la chose, qu'il y ait une repentance. Une confession doit être accompagnée d'une repentance. C'est-à-dire que la chose que tu faisais mal, le mal que tu faisais répétitivement devient espacée et des fois même tu ne le fais plus. Ce serait une très bonne chose pour toi et pour ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons par là que c'est pourquoi l'apôtre dit dans Romains 8. Lis-moi un peu, mon frère, Romains 8, verset 1, je crois. Amen. J'avais pas envie de parler de cela. Alléluia. Romains 8. Verset 1. Oui, tu peux le lire. Okay. C'est un enseignement qui va suivre. Après, j'ai déjà enseigné beaucoup ça. Peut-être tu vas partir du mois de juillet. Oui. Romains 8, verset 1. Verset 1 à 3. Dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 1 à 3. Ouais. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant son propre fils qui est venu avec une nature semblable à la nature pécheresse de l'homme pour enlever le péché. Amen. Le verset 4. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non pour qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Amen. Il dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons vu l'acte des oreilles qui nous condamnait a été déchiré. Donc tu n'es plus condamné, tu n'es plus emprisonné. Sauf si tu veux être emprisonné. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne crois pas que Dieu va te libérer. Et si telle attitude, ton comportement est d'un condamné. Vous dites l'attitude d'un condamné, c'est quoi? Hein? Comme ça. Vivant dans la peur, vivant dans la crainte. Tu ne crois pas que tu es une princesse de Dieu. Tu ne crois pas que Jésus de Nazareth est mort pour toi. Tu ne crois pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans les ponts. Les gens me posent la question, comment j'ai fait 1000 km seul dans la route, dans les forêts des États-Unis. J'ai fait 1000 km. J'ai fait 2000 km pour qu'elle passe. Allez comme retour. J'étais seul. Je n'avais pas peur. Je louais mon Dieu. Hein? Je n'ai pas avoué qu'à un moment dans la forêt, je m'étais arrêté. J'ai un peu peur, je dis, hey, nous va apparaître ici. Là. Je ne vous dis pas la raison pourquoi je m'étais arrêté. Alléluia. Amen. Bon, je fais le voyage avec ce focus que je vais faire le travail de Dieu et je vais revenir sans peur. Parce que je ne crois pas qu'il y a une condamnation qui peut tenir dans ma vie. Parce que je l'ai dit. Parce que je le proclame. Parce que je le crois. Amen. Tu le crois. Tu le dis. Et il faut. Toi, la vie, ton comportement montre que tu n'es pas quelqu'un qui est dans la prison. Ça s'appelle une mentalité. Si tu as une mentalité de pauvreté, tu vas devenir dans la pauvreté. La mentalité de la pauvreté, les gens ne partagent pas. Les gens, quand il y a l'argent, ils veulent troubler. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Et tu ne vois pas plus loin que ça. Alléluia. La mentalité doit changer par rapport à ce que tu crois en Dieu. Quand
Tu crois que je suis libéré, tu dois te sentir libéré et libre. Alléluia. On peut tout faire. Tout ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire nous sera bénéfice simplement si nous croyons. C'est quoi Jésus dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire, ce n'est pas seulement croire dans le cœur. C'est dans la bouche que tu dis aussi les choses qui confirment que tu crois dans ton cœur. Tu ne murmures pas. Tu appelles les choses qui n'existent pas comme si ils étaient. Tu peux te croire malade? Non. Tu sens encore la douleur, tu dis, passez mes dessus, je suis guéri. Alléluia. Gloire, j'ai cherché la douleur que j'avais au dos samedi, je ne vois plus où c'est parti. J'ai rentré là chez moi, j'arrive, les jeunes, déjà, comme ils ne m'ont pas vu pendant 5 jours, les petits firas qui avaient vu de oh, passez, viens jouer un ballon avec moi. J'ai dit, ah, je suis fatigué, je n'ai pas dormi toute la nuit, je conduisais l'auto. Bon, comme c'est des enfants. J'ai vieilli, il était au poteau et puis j'essaie de jouer, paf, j'ai eu une douleur. J'ai dit, ah, je suis resté comme ça. Très mal. J'ai dit, Firas, pas les saletés là que j'ai, va jeter la poubelle. Moi, je vais un peu monter. J'ai dit, parce que ta femme, ça arrive. Quand on joue, on est un peu mal. Un petit garçon de 6 ans. Alléluia. Donc, plus de culpabilité. Alléluia. Troisième conséquence, c'est que nous allons voir encore plus profondément maintenant. Nous avons dirigé le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Amen. N'importe quel démon, tu as le pouvoir. Amen. Pourquoi tu as le pouvoir? Parce que quand lui, il est mort, il est mort avec toi. Et il est ressuscité avec toi. Amen. Maintenant, lui, c'est pourquoi le baptême est important. Maintenant, lui, tu es avec lui dans les lieux célestes. Toi, tu n'es qu'un pouvoir. Il commande. Un instrument qu'il utilise. En fait, c'est lui qui chasse les démons, parce que nous chassons les démons au nom de Jésus. Il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Et là, il va vous dire que les démons sont partout. Mais les démons sont partout, effectivement. Sauf que c'est pour ça qu'ils ne les voient pas. Parce que le monde appartient encore au diable. Et Dieu nous fait grâce de ne pas ouvrir les yeux. Si nous ouvrons les yeux, vous savez, il a ouvert les yeux à un de vos papas ici, pasteur Bienvenica, il était comme prédicateur pour à Montréal. Il dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Dans le métro, il a vu tout le monde enchaîné comme des chiens, des têtes comme des chiens. Tout le monde était enchaîné. Il a paniqué. C'est pour dire que le monde que vous voyez n'est pas ce que vous voyez. Vous voyez, vous pouvez voir une personne comme ça, là, mais elle est totalement enchaînée. Dieu nous fait grâce de ne pas ouvrir les yeux spirituels. Mais la réalité est que les diables, nous avons le pouvoir de dire, hors de nous, hors de moi, partout où nous avons droit d'être, lui n'a pas droit d'être. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne crois pas trop, moins de maladies, courir trop dans l'hôpital. Non. Il y a des maladies qui sont guérissables par les médecins, il y a des maladies qui sont guérissables simplement par en chassant seulement les démons, les maladies partent. Toutes maladies que les sorciers t'ont causées, les médecins vont voir, ils vont retrouver. Mais quand on chasse ces démons-là, la maladie disparaît aussi. Alléluia. Marc 16, verset 17. Amen. Si nous avons autorité aujourd'hui, c'est parce que Jésus a vaincu la croix du Calvaire. Et nous sommes unis. C'est pourquoi, faites attention les enfants. Soyez d'abord unis avec Jésus avant de chasser les démons. Si tu vois que tu as des problèmes, va d'abord demander pardon à Dieu. Unis-toi à lui, ça peut te prendre juste une minute. Parce que tu es sur la grâce. Et puis retourne. Hé, je suis promené à toi, démon. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Il va fouiller. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en colère pour chasser les démons. Il va pas partir. Alléluia. Je vous montre mes trucs. Alléluia. Amen. Donc tu t'arranges d'abord avec Dieu. Puis tu dis, là, j'ai repris ma place et je vais te chasser. Alléluia. Amen. Prenons Marc 16, verset 17. Mon frère, tu peux lire rapidement. Amen. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, verset 17. Et voici le miracle que feront voir ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Amen. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. Amen. 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 Nous comprenons ça. Donc il n'y a pas un démon que tu ne peux pas chasser. Si tu dis c'est une activité anormale, quelque chose qui semble pas normal, qui arrive tout le temps. Ou les choses qui se brisent tout le temps à la maison. Où je suis allé prier comme ça? Où est-ce que je suis allé prier comme ça?
brisé dans cette maison-là après. Tout ce qui a été brisé après. À Montréal. C'est à Montréal où je suis allé prier comme ça. C'était l'esprit. Alléluia. C'était l'esprit. Tu vois, dans toi, une maladie que les médecins ne voient pas. Ils font tous les examens, ils ne voient absolument rien. Mais toi, tu es vraiment malade. On risque des problèmes psychiatriques, des troubles de conversion ou un autre trouble en psychiatrie qui n'a pas de place. En fait, c'est quelqu'un qui manipule ta vie à distance. C'est un démon. Mais toi, comme croyant, tu as l'autorité. Ce que je vais enseigner aujourd'hui, là, Jésus ne dit pas au pasteur, il dit au croyant. Même quand je vais chasser les démons, je ne viens pas comme pasteur, je viens comme un croyant. Mais quand l'onction de Dieu agit sur moi, comme l'onction prophétise sur moi, c'est l'onction de Dieu qui agit sur moi pour agir. Mais moi, quand j'agis, j'agis comme croyant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois te conserver ça. La nuit tu dors, on vient t'opprimer. La nuit tu dors, on tue des fois avec un homme et une femme que tu ne connais pas. C'est un démon. Je vais parler des démons un peu plus de moins de 7 ans. C'est l'esprit succube et incube, les esprits de nuit. Tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Tu ne passes pas le jour là pour pleurer. Non, tu dis Seigneur, tu demandes pardon. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Pardonne-moi si j'ai ouvert une porte. Et quand ces portes-là ferment de gérer, tu les chasses au nom. Quand il te réveille là, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Avec foi, sans douter, et il va partir. Tu ne chasses pas un démon, et puis tu vas te poser, est-ce qu'il part? Il y a un livre, une dame qui a écrit à l'époque, j'ai béni Dieu sur l'esprit qui a mis sur moi. À l'époque, j'étais encore jeune chrétien, j'ai regardé les livres, non, l'esprit me dit, ne lis pas. Et ça s'appelle Rebecca Brown. Elle a écrit un livre, et il est venu libérer les captifs. Beaucoup de gens l'ont lu. Le livre faisait des délivrances de 6 mois pour quelqu'un. 6 mois. Dans la chambre, et on lutte avec les démons le soir, on attend les signes, on regarde. C'est pas quand vous attendez que bon Dieu. Même quand les démons parlent, j'ai déjà prié pour vous, là de vous, les démons à parler. Mais je ne laisse pas le temps de discuter. Moi, ils étaient là une fois à la maison. Je dis, toi, mon calage, je n'ai pas discuté avec toi. Sors de sa vie au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable, c'est un menteur. Tu ne peux pas chasser les démons, discuter avec les démons, il va te tromper. Alléluia. L'autorité, tu l'as. C'est pourquoi vous êtes deux ou trois, craignant Dieu, ensemble. Les géants vont fuir. C'est là l'important de la prière corporative à l'église. Alléluia. Cette autorité-là, nous l'avons, regardez bien, il les a dépouillés. La version de notre frère est tellement merveilleuse. C'est-à-dire que tous les démons ont déjà été dépouillés. Ils ne peuvent pas. L'autorité est à nous. L'autorité est à moi. Comme enfant de Dieu. C'est pas nous, nous résistons avec une foi. Ferme. Et puis, vous allez voir les résultats. Les choses commencent à rentrer en ordre. Des fois, c'est dur. Mais tu résistes parce que la volonté. La question que tu dois te poser. Dieu peut-il mentir? Non. C'est-à-dire à ceux qui croient en mon Dieu chasseront les démons. Toi, tu peux chasser n'importe quel démon au nom de Jésus-Christ. C'est étonnant comment les enfants. Un jour, j'étais au parc la semaine passée. Et avant que je voyage, j'étais pas bien, puis j'ai prié. Et puis les téléphones sont venus des États-Unis. C'est le papa de cette jeune fille. Cette jeune fille insistait, elle a 6 ans. Je vais, mon papa, fais le téléphone. C'est elle qui m'a appelé. Je vais prier pour tonton Laurent. Je vais prier. Et elle a prié comme une grande personne. Et puis je me suis bien senti. C'était un enfant de 6 ans. Elle rebuque. Elle chassait les démons qui m'opprimaient. Un enfant de 6 ans. Hein? C'est pourquoi j'ai tenu à ramener sa case. C'est un bébé que j'ai béni. C'est un bébé que j'ai béni. Le jour où je l'ai béni, c'est le jour où son père était converti. Qui est un bon serviteur de Dieu aujourd'hui. Là. Alléluia. C'est pourquoi j'ai sur le sujet. Il nous faut rapidement penser à une caméra avec YouTube en direct pour nos frères qui sont là-bas. Je crois qu'on va ouvrir une église là-bas, mais avec un écran sur YouTube. Quand on commence ici, elle commence là-bas. Et puis une fois le mois, je vais passer. Il y a beaucoup de gens là-bas. Je peux même faire des semaines. Il y a tellement de gens et des gens ont des problèmes. Alléluia. Amen. Donc tu as l'autorité de chacun.
chasser les démons. Parce que Jésus a déjà dépouillé. Les enfants aujourd'hui sont purs comme ça. Les enfants, c'est comme ça. Là. Tu es simple. Tu vois quelque chose qui ne va pas bien. Tu chasses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quand tu dis Jésus, tu sais bien que c'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus. Amen. Alléluia. Nous comprenons cela. Ça, c'est la troisième conséquence. Amen. Amen. Allons un peu dans Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 6. Amen. Ça dit un peu ce que Romains 8 parle. Mais d'une autre manière, le verset 6 nous montre quelque chose de très très profond par rapport à l'autorité que nous avons envers les démons. Parce que l'autorité est une question de position. Quand on parle d'autorité, on parle de positionnement. Amen. On a vu tout à l'heure qu'à la croix du calvaire, comment Apocalypse 12 nous décrit, comment le diable a été jeté du ciel vers la terre. Mais il ne s'est pas fatigué, il est décidé de pouvoir perdre la race des hommes. Il est en colère, comme dit la Bible. Mais cette scène s'est passée pendant que Jésus était à la croix du calvaire. Alléluia. C'est pas pour lire les livres de révélation, il faut avoir l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi on dit, vous avez vu qu'il y a encore du sang de l'agneau. Mais il n'y avait pas de sang de l'agneau sans la mort de Jésus à la croix du calvaire. Amen. Il y a beaucoup de scènes de la croix du calvaire dans les livres d'Apocalypse. Il y a aussi Apocalypse chapitre 5, quand il veut l'agneau avec ses os, avec du sang. Ça signifie seulement que sans que Jésus ait passé à la croix du calvaire, il n'aurait jamais été couronné. Mon frère, tu peux lire le verset 6. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 2, verset 6. Amen. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Alléluia. J'aime ta version. Alléluia. Il nous a fait ressusciter ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Lis un peu ta version encore une fois, le verset 6. Verset 6. Amen. Écoutez bien, bien, écoutez bien ce qui est écrit dans le français courant. Éphésiens 2, le verset 6. Amen. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Alléluia. Nous faire régner. Donc toi qui règnes dans le monde céleste. Amen. Donc, toi, c'est toi qui règnes par lui. C'est pas l'union avec lui, c'est une union parfaite. C'est l'union parfaite de ne pas être produite par ta volonté, mais c'est pas par le sang de Jésus-Christ. C'est pas ta foi extrêmement importante pour que ce que Jésus a fait à la croix du calvaire puisse avoir un bénéfice. Vous savez que j'ai fait un voyage de 9 heures. Je pouvais même imaginer quelle porte mon fils l'a ouvert pour que l'ennemi puisse encore la voir. Un enfant qui était rempli de cet esprit, qui appelait 5 heures du matin, qui avait des révélations terribles. Je ne savais pas comment prier avec cet enfant-là. Je dis, Seigneur, comment je vais prier? De Washington jusqu'à chez eux, là-bas, c'est 3 habitants. Tout le temps, j'ai prié en langue. Dès que j'entre à la maison comme ça, là, je salue tout le monde. Il vient et dit, Tonton Laurent, je suis tourné comme ça. Ouh, je l'ai serré dans mes bras comme ça, j'ai prié pendant plus de 20 minutes. Il était soufflé, délivré et fini. Je ne pouvais même pas le retourner et retourner à Montréal. Amen. Et le travail qui était comme pied d'achoppement le lendemain puis est fini aussi. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est très puissant. Mais pourquoi le diable a souvent les chrétiens? À cause, je l'ai dit à l'introduction, à cause de la ruse. Alors, on va dans Éphésiens chapitre 6. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 6, vous voyez ici. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Il dit, revêtez-vous les armes de Dieu en vous de tenir ferme contre quoi? Le ruse du diable. Hein? Pas la force du diable, parce que le diable n'a plus la force. Le verset 11 dit, fortifiez-vous, vous trouvez la force, vous trouvez la force à votre union avec les seigneurs. Votre communion avec le Seigneur. Vous avez la force. Alors, et vous revêtez pour lutter contre le diable, vous devez vous revêtir de toutes les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Amen. 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 Qui sont quoi? La ceinture est pour la vérité. La cuirasse est pour la justice. On a beaucoup parlé de ça aujourd'hui.
Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas s'adjuger sur la culpabilité alors que Jésus a déjà tout payé à la croix du calvaire. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation avec Jésus-Christ. C'est les gens qui se sentent condamnés ne savent pas comment porter la cuirasse de la justice. Un chrétien ne fait un dégât aujourd'hui au travail qui a giflé quelqu'un, quand tu iras au travail, tu vas demander pardon à Dieu, tu te sens justifié. Tu vis pas de la culpabilité. Alléluia. Et mettez aux chaussures, à vos pieds, les ailes. Beaucoup manquent ces armes-là ici. C'est pourquoi le diable, si vous l'attaquez pas, il va vous l'attaquer. Si vous avez peur d'attaquer le diable, il va vous attaquer. L'évangélisation, c'est l'attaque du diable. Vous évangélisez parce que vous allez. C'est votre mission que Jésus a donnée. Dans les marques que nous demandons de lire tout à l'heure, c'est évangéliser le monde entier. Vous devez parler déjà à Jésus-Christ. Vous devez ajouter les gens ici. Les gens sont perdus là, on allait me garder là-bas. On me dit, mais il y a tellement de gens ici là, et peut-être qu'il faut qu'il reste des semaines ici. C'est pourquoi j'ai pensé au ce matin, j'ai pensé, non, il faut une caméra avec un YouTuber en direct. Là, ils ont l'écran et ils suivent en direct. C'est plus simple, je peux aller là-bas une fois, les 4 semaines, une fois. Il y a beaucoup de gens là-bas. Alléluia. Amen. Donc, contre les ruses du diable. Donc, si, parce qu'on me dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Les chrétiens, quand il a un problème avec lui, ils croient que, j'ai lutté contre lui. Non. C'est une ruse du diable. Pourquoi? C'est parce que Jésus dit de bénir les ennemis. Jésus dit de bénir les ennemis. Toi, tu regardes la personne, c'est lui qui m'a fait du mal, je vais me venger, il m'a fait du mal. Non, derrière chaque homme, il y a un démon. C'est une ruse du diable de nous faire croire que les hommes sont nos ennemis. Les hommes ne sont pas tes ennemis. C'est le diable qui est dans les hommes qui est ton ennemi. C'est pourquoi, si tu es un entraîneur spirituel, tu chasses les démons. Un exemple, il y en a qui croient qu'on ne peut pas chasser demain. Paul, quand on est dans Actes 16, Paul en train de prêcher et de prêcher une femme venait tous les jours dire, ça c'est le serviteur de Dieu, il faut le suivre, il faut le suivre. Paul n'a pas demandé la personne à la femme. Paul s'est retourné, il a dit, toi esprit, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit de Python était sorti. Ce qui arrive quand votre communion avec le Seigneur est forte. C'est voir, l'année, c'est l'année, la communion avec le Seigneur, vous puisez la force et avec cela, vous détruisez la force du diable. Parce que le diable n'a plus de force, ma vie a été dépouillée. C'est quoi, ils arrivent, ils procèdent toujours par l'aveuglement. Tous les sortilèges commencent par l'aveuglement, ils t'enlèvent l'intelligence de comprendre les choses. Et puis, ils peuvent t'avoir. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons là, gloire à Jésus-Christ, ça c'est la quatrième conséquence de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'enseignement du corps de Jésus. Nous avons le pouvoir de vaincre les démons, n'importe quel démon. S'il est fort, Dieu nous a donné la tactique, gêner et prier, il fera quoi? Fuira. N'importe quel démon, n'importe quel géant. Dans l'étape où je suis là, n'importe quel géant. Hier, Deborah me disait, papa, j'ai vu que Dieu commence à prendre les boissons avec les bruits. J'ai dit, mais tu croyais quoi, Deborah? Hein? Et pourtant, j'étais absent. Mais la prière n'a pas de distance. Amen. Je veux dire que Dieu, regarde, moi, cet enfant qui prie. On veut qu'il prie. Il y a quelque chose de spécial dans cette famille-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième conséquence, toutes les malédictions acquises ou prononcées sur nous peuvent être brisées. Parce que la mort à la croix, c'était la mort la plus honteuse. Ceux qui étaient crucifiés à la croix, c'était des maudits. De l'époque romaine, quand quelqu'un était à la croix, c'était maudit. Donc c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un maudit. On les crucifiait ici et ils mouraient de souffrance. C'est la mort que le Seigneur a pris pour que toi, aucune malédiction, celle prononcée par toi ou par les gens, n'en importe pour toi. Pourvu que tu fasses quoi? Tu le crois. Si tu ne vois pas, tu fais un accident, je dis, je crois que je suis maudit. Non. Refuse, je dis, je ne suis pas maudit. Si le diable a attaqué, il a attaqué une fois, mais il ne va pas me vaincre. Alléluia.
Ça veut dire que toutes les cadenas des hommes, dans les ténèbres qui ont été bloqués, disent, celle-là n'arrivera jamais, là, celui-là ne fera jamais ceci. Nous le contrôlons. Le contrôle du diable par la malédiction n'aura pas lieu. Pourquoi? C'est parce que vous êtes béni, dit que je suis béni. Et c'est lui que Dieu a béni et le diable ne peut pas maudire. Vous vous souvenez de la texte d'ombre des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte et puis Balaam vient voir Balaam dit ah je vois un peuple nombreux venir là-bas, je sais que toi quand tu maudis ça marche, va les maudire. La nuit Dieu dit à Balaam, dit non petit, n'avance pas, ce peuple là il est déjà béni, on ne peut pas maudire ceux qui sont bénis. Il y en a d'entre vous qui croient pas qu'ils sont bénis. Pas du moment qu'il a donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es déjà béni. Éphésiens chapitre 1, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Dis-le, mon frère. Lis juste les versets 3 et 4. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 1, du verset 3 et 4. Amen. Louons Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Car Dieu, avant d'avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être siens en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, sans défaut devant lui, dans son amour. Amen. Amen. Vous voyez que vous avez été déjà béni. Hein? Quel bénédiction tu cherches encore? Revendique-le. Réclame-le. Sors de la prison où on t'a placé. Mais lui, il a déjà dit tout est accompli. Dieu béni. Alors là où les gens sont bloqués, c'est la langue. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi, tu t'es béni et tu t'es maudit. Et moi, comme ça, et moi comme ça, ma famille regarde. Et non. Ta famille, c'est ta famille. Toi, c'est toi. Mais si tu es comme un chef de famille comme moi, tu déclares la bénédiction à ta descendance. Si tu n'as pas encore, tu as déjà la progéniture, déclare la bénédiction à ta descendance. Parce que tu es béni. Hein? Tes enfants, vous avez dit, tandis que maintenant vos enfants sont saints. Tous les enfants des chrétiens sont déjà mis à part par Dieu. J'ai dit derrière l'âme de la maturité pour prendre la décision. Avant la lettre de la maturité, ils sont gardés, tu me dis qu'ils sont bénis. Tu réclames leur bénédiction. Cela va arriver. C'est pourquoi il n'y a pas de passivité de la vie chrétienne. C'est une vie active, la prière est très importante. Alléluia. La prière est très, très importante. Gloire à Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Galates 3. Verset 13 à 14, nous sommes dans la quatrième retombée ou bénéfice ou conséquence de l'œuvre de la croix. Alléluia. Ah, si c'est Dieu, veut se promener. Alléluia. Galates 3. Célébrez seulement dans la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Galates 3, verset 13 à 14. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ, Galates 3, verset 13 à 14. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Oh, lis-le encore. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Amen. On continue, verset 14. L'Écriture déclare en effet, « Maudit soit celui qui est pendu à un arbre. » Il en fit ainsi pour que la bénédiction promise par Dieu à Abraham soit accordée aux non-juifs grâce à Jésus-Christ et pour que nous recevions par la foi l'Esprit promis par Dieu. Alléluia! Amen. Il dit qu'il nous a rachetés. Il était l'objet de la malédiction. Vous vous souvenez de Barabbas? J'ai besoin de lancer le main sur Barabbas. L'échange a été fait. Il a pris ta place et ma place du maudit. Mais tu n'es plus maudit chrétien. Si le faux prophète te dit, ah non,
Vous dans votre famille, vous êtes des maudits. Mais moi, je suis chrétien, je ne suis pas maudit. Montre-moi juste comment je dois récupérer ce que Satan m'a volé. Mais moi, je ne suis pas maudit. Parce que quand on parle de bénédiction ou de malédiction, on parle d'abord de verbalisation. Tu dois pouvoir parler que tu es béni. Pour voir la bénédiction dans ta vie. Amen. Tu dois pas parler, tu te prononces de manière à moi comme ça, mais tu ne vas pas t'en sortir. Ta langue va t'accuser. Le problème avec Dieu, il ne peut pas changer. Ce qu'il a programmé, il a programmé. Tout chrétien est appelé à grandir. Tu dois rester toujours bébé spirituel. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas être béni comme chrétien. Tu vas avoir les petites choses que le monde a, mais comme chrétien, tu ne vas pas être béni. Il faut que tu grandisses. Alléluia. Quand je vois des enfants de 14 ans, comment ça dévore les enseignements, 14 ans, 15 ans. Et toi, tu ne fais pas les enseignements. Hier, vous savez que je jouais, dans, comme par hasard, la musique que je jouais, j'écoutais vos vieilles louanges là. Et puis, j'ai l'enseignement sur comment l'impossible devient possible. Je dis, mon Dieu, cet enseignement, c'était comme ça. Est-ce que vous le suivez? Mais c'est tellement puissant. Alléluia. C'est seulement par la parole de Dieu. Amen. Que tu vas trouver ta bénédiction. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Jésus dit que tu as été béni parce que tu l'as reçu. Donc lui là, ta bénédiction que tu portais là, et quand tu le reçois, lui il a déjà réglé la chose. C'est pour l'enseignement qui dit des questions réglées à la croix du calvaire. Alléluia. Quelqu'un qui est béni, le matin il se réveille comment? Hein? Quelqu'un qui est béni le matin, il se réveille comment? La joie. Tu réveilles le matin, tu rends grâce. Tu bénis Dieu. Hein? Comme les chants. J'ai chanté ça. Mon âme est comptée sur l'éternel, plus que les gardes comptent sur. Tu loues Dieu parce que tu es béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit. Cinquième. Conséquent ou retomber dans la croix du calvaire. J'allais parler un peu il y a quelques temps. Toute maladie associée au démon. Les maladies associées au démon, c'est la maladie que le médecin ne peut pas voir. Les maladies, on te regarde, il n'y a rien. Et tu sens que tu es malade. Tout cela, Jésus l'a vaincu à la croix du calvaire. Au nom de Jésus, ça doit partir. Alléluia. Bien plus. Parce que quand son sang fut versé, même toutes sortes de maladies aussi, dont on trouve l'explication, au nom de Jésus, seront aussi guéris. Ici, vous avez la chance, tu es un peu malade, tu vois le médecin là. Mais il y a des gens dans la région où il fait la malaria, il n'a même pas de la kiné. Il n'a que Dieu pour prier. Hein? Il y a des gens comme ça là. Hein? Quand toutes les béquilles humaines ne sont pas là, tu fais quoi? Tu dois compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à la croix du calvaire, comme il est écrit, par ses maîtres sur. Pierre dit, nous avons été guéris. Quelque chose qui a été passé par le passé, que nous ne voyons pas, nous faisons quoi? Nous le recherchons, nous le réclamons avec foi. Et cela va arriver. Alléluia. Des fois, le diable, il faut être fou avec lui. La première chose, que le diable a peur, un chrétien qui n'a plus peur de lui. Un chrétien qui n'a plus peur du diable, le diable a peur de lui. Parce que c'est un chrétien qui exprimera la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas dire, vous pouvez me tuer, mais vous ne tuerez pas mon esprit, je vais au ciel. Mais vous n'allez pas me vaincre. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Ésaïe 53, on va être déchiqueté pour clôturer. Ésaïe 53, mon frère. Alléluia, célébrez, célébrez dans la joie aujourd'hui. Alléluia, j'ai tellement conclu ce message de Pâques parce que c'est très, très important. C'est vraiment les choses de toute la vie. Des fois, je vois quelqu'un 20 ans, 30 ans, j'étais venu me parler, je regarde. Des fois, je baisse la tête, je dis, mon Dieu, est-ce que les gens comprennent? Que quand il y a le doute, Dieu n'agit pas. Quand il y a la peur, Dieu n'agit pas.
Parce que Jésus a dit tout est accompli. Ésaïe 53, 700 ans avant qu'il ne vienne. La question est tellement importante que l'Esprit Saint, par les prophètes, a décrit ce que ferait le Christ, ce que ferait l'agneau immolé de Dieu. Tu peux le lire, mon frère, à partir du verset. J'aime ta version là. Lis-nous du verset 1 au verset 5. On va clôturer par là. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Amen. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure, ni les gens de beauté qui attirent les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il sublimait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu le coup et nous sommes épargnés. Amen. Lis encore le verset 5. Verset 5. Oui. Verset 5. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Alléluia. Par ses maîtres sur nous sommes guéris. Alors ça, quand tu comprends ça, quand les prophètes disent ça là, Jésus, il y a 700 ans, quand les prophètes disent des choses comme des fous, mais il parlait vraiment, il a peint Jésus-Christ en détail, l'œuvre de la croix. Il parlait au passé comme un événement qui était déjà passé. En fait, il parlait du passé futur qui devait arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là aujourd'hui, nous sommes en poste de ce passé-là, nous devons être avantagés par rapport à ces gens-là de cette époque. Maintenant, nous savons que lui qui méritait le coup, que n'importe quelle souffrance que j'ai eue, Jésus l'a eu, il a pris. Moi, quand je suis en lui, la chose est réglée. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Alléluia. Nous allons terminer de ça là. Je dis que ce soit la souffrance psychique, n'importe quelle souffrance, tu dis, Seigneur, je me remets à toi. Je sais que tu as réglé tout cela. La solution va être là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de la résurrection. Je vais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la position d'Éphésiens chapitre 2 que nous avons vu, que nous sommes glorifiés avec lui. Romains 8 aussi en parle. Celui qui a été, nous avons été glorifiés. Donc, vous êtes en lui. Parce que glorifié par quoi? Par le Saint-Esprit qui est en lui. C'est la gloire de Dieu qui est sur vous, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Comment tu vis cela? En le croyant, en se l'appropriant, en le déclarant devant les situations. Beaucoup ne font pas ça. Amen. Beaucoup pleurent. Déclare-les devant les situations. Amen. Déclare pour mon fils, pour ma fille. Je le fais tous les enfants, comme je fais pour mes deux enfants tout le temps. Amen. Je ne laisse pas les choses me tourmenter. Tu le déclares tout le temps. Avec quoi? Parce que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Dans n'importe quel tu déclares de Jésus, il n'y a plus de condamnation à moi. Je ne suis condamné, je suis libéré, je suis béni. Ça veut dire que j'aurai une vie abondante en Jésus-Christ, car il est venu pour que les bébés aient la vie, qui c'est la vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que nous terminons. Nous disons Père Céleste, Père Céleste, je te demande pardon. Pour toutes les fois, je n'ai pas agi comme quelqu'un qui a été béni. À la croix du calvaire, Seigneur Jésus-Christ, tu as pris mes condamnations, tu as pris mes iniquités et tu m'as béni par ton sang glorieux qui me guérit, qui a tracé la route du ciel pour moi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis victorieux en toi.
Et je puis dire aussi que les diables et ces démons ont arrêté de prier une fois pour toutes et n'auront aucune autorité dans ma vie. Je suis béni et je palperai les conséquences de ma bénédiction. Père, je te dis merci de m'avoir béni. Et je te remercie, le Jésus-Christ, pour ton sacrifice à la croix du calvaire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Qui en haut? Amen. On va terminer par là. Mon âme est comptée sur l'Éternel, plus que les garnes comptent sur